Salut les poteaux. Bon, je vais pas vous la faire à vous. J'ai déjà les mains sales, j'ai un peu travaillé dessus, donc j'ai remonté l'arrière. Aujourd'hui, vidéo, ou en suivant, mais je pense que la première était déjà assez longue, on va s'attaquer à la direction. Si j'ai assez de temps, là, je vois que j'ai pas beaucoup de temps. Bon, bref, on va essayer de faire vite. Donc, le bras RC Usine H34, le bras du Seigneur, le bras Monseigneur, Don Michelo, il est magnifique. Alors ça, c'était quand même indispensable, hein, vu comme j'avais cassé. Et là, on va vers une version, on va la transformer en Pro, cette ARX. Donc j'ai revu les branchements du gyro, tout ça. Et là, on va installer, c'est une pièce qu'ils vendaient en Allemagne. Vous voyez, ça vient ici, à la fourche. C'est ce qui l'a fait basculer. Ça, c'était au cas où j'avais pris ça. Et j'avais pris ça pour le kiff. Voilà, peut-être pas une grande utilité. Mais avant tout ça, je recoupe un petit peu. Donc, on commence par une bêtise. J'ai oublié, vous voyez, cet écarteur qui vient au milieu du châssis. J'aurais pu faire sans, mais bon, tant qu'à faire, faire les choses bien. Donc, je coupe et je vous reprends de suite après. Ça me permettra peut-être. Je vais penser, je vais libérer un peu d'espace, comme ça, on pourra vraiment faire toute la direction. À mon avis, il y a, vous voyez, deux vis enlevées ici. Deux ici, une ici. Oula, peut-être que plus compliqué que prévu. On va prévoir de la place. Allez, à tout de suite. Allez, là on est parti pour de vrai. J'ai réparé ma petite bêtise, mon petit oubli. Hop là. J'espère que je vais pas mettre le feu. Donc, on va essayer. Alors là, je ne sais pas du tout. Où je vais, mais on va essayer. On va voir ce que ça donne. Alors, je pense qu'il y a déjà cette pièce ici. C'est une pièce en plastique. Allez, 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 allez. Passer en vitesse 2, ça devient lent. Après, on va passer sur du 2 et demi pour démonter là-haut. Donc là, j'ai vu ça a bougé. C'est sûrement bon signe qu'on est dans la bonne voie. Après, des moments, c'est chiant de devoir faire des trucs inutiles. Oh non, on me dit pas c'est une vis en bas, une vis en haut. Eh ben si. Non. Ça peut pas sortir comme ça quand même. On va faire un truc. Donc si c'est du 2,5, on va voir ça ici. Eh oui, c'est ça. Voilà. Pas sûr que ce soit aussi facile que prévu. Mince. Si je dois faire un côté après l'autre, non, je crois même pas. Ah! T'arrêtes de visser, toi! Donc la vis est venue par en dessous. Ouh, il va y avoir du démontage, je vous le dis. Direct. Alors. C'est quand même bizarre que lui
me semble que le haut et le bas c'est en deux parties. Parce que là, en fait, j'ai pas envie de m'embêter à devoir tout démonter, mais je crois que j'ai pas le choix. On va virer déjà les quatre vis de la fourche et on va bien voir ce que ça donne. Vous voyez rien. Attendez, hop. Le temps que je l'embroche. Petite vis en bas. C'est peut-être une petite en haut aussi. Mais... J'ai mal à comprendre le système. Mieux sortir l'ensemble de la fourche. Ce qu'on va faire, on va pas hop hop hop, on va pas tout rechanger, on va faire ça à la main vite fait. On ne va pas s'énerver. Ce qui est énervant, c'est que je croyais que ça aurait été plus rapide. Et là, j'aurais même dû déconnecter ma direction. Ici. Évidemment. Le niche stop en dessous. Ouais, je l'ai fait à la main. Vous avez vu ça, la force? Force dans les doigts. Donc là, il n'y a plus qu'à enlever lui. On est sur le 2,5, on est plus sur le... Il y a des moments, vous voyez, une petite upgrade, de rien du tout. Et on va passer un temps fou à la mettre. Oh là là, je vais parler comme... Le copain de Malcolm, je sais plus comment il s'appelle. J'arrête pas de regarder en ce moment avec le petit là. Ah, Stevie. Voilà. Voilà. Bon, est-ce que j'ai bien fait? Oui, puisque vous voyez la pièce qui est en deux, elle est bien en deux, mais elle est tenue ici. Donc, si je comprends bien, il y a moyen peut-être d'y arriver sans trop démonter. Alors, il suffirait de dévisser. Ouais. Ah si, c'est bon. Dévisser ici. Attention, puisque c'est un petit écrou à l'arrière. Ne le perdez pas. Hop. Et de 1. À l'avant, par contre, j'ai pas encore démonté. Ici, et là je vais être embêté. Alors, pas facile, facile. Hein. Ah, pas compliqué, c'est surtout pas aussi rapide qu'on pourrait le penser. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Je vais apprendre à mieux m'exprimer. Voilà, il va falloir qu'on atteigne ces vis pour desserrer un peu le tête de fourche pour qu'il puisse descendre. Ouais, ça sera mieux que d'enlever celui du haut, puisque celui du haut, il y a les bouchons. Et on va galérer. En fait, c'est les mêmes vis, c'est juste un fût. Ah, ouais, ça. Il s'enlève. Voilà.
Ensuite, donc, on va juste dévisser un peu eux. Espérant de pas perdre les petits trucs. Ensuite, il y a lui. Évidemment. Il aurait fallu que j'enlève les carénages et tout. J'ai pas envie. Pourtant, je vais être bien obligé. Ah. Un petit 2,5. Ah, ça m'embête de vous embêter avec ça. Et de toute façon, j'ai. À dire, j'ai pas trop le choix. Parce que ça se dévissera pas d'en haut. Le moyen de passer. Alors, si je passais celui d'Avisseuse, c'est encore pire. Bon, ben, je crois que je vais devoir faire une petite pause. Donc, j'enlève la roue, j'enlève ça. Enlever pour pas grand chose. Allez, on va enlever le garde-boue ici. La vie, c'est pas génial. Avec la visseuse. Je suis en train de foirer le pas. Ouais, une fois qu'on a goûté à la visseuse, on n'a plus envie de faire autrement. On ne dit pas que c'est la roue maintenant qui gêne. Voilà, ça va. Ça va passer. Je le tienne. Elle vient, elle. Ah si, c'est du cadre. Oh là 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 là, je commence à, moi aussi, je commence à avoir chaud. Allez, à comprendre. Chaud en plein hiver, ouais. Franchement, en ce moment, c'est l'été indien ici. Ah. Pas du travail, ça. Hop, voilà. On peut baisser un peu la fourche. Et il n'y a plus qu'à récupérer les roulements. Pour mettre dans le nouveau. Vous pouvez les graisser si vous voulez. Voilà, c'est surtout au moins les vérifier un petit peu. Ouais, j'ai peut-être un peu les huiler quand même. Ah bon, voilà, pour pas vous embêter, je vais vous reprendre à la fin du remontage. Comme ça, je me paye ma galère tout seul. Et on verra déjà. Et, comment dire, une pré-finition. Oui, après je pourrais la montrer complètement finie. De toute façon, on peut faire une présentation quand on veut. Oh,
Ouais, j'ai dit que je partais. Ouais, ça va, même pas 3 minutes. Au moins, vous voyez, je mets les roulements, ça fait style. Hop, 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 ça va vite. Tac, 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 tac. Ça va, elle était fermée. Oh putain. Ça, les boîtes de vis qui tombent. C'est la misère. Voilà. Et juste histoire de d'être sûr. Que j'ai les quatre roulements. Pour que j'en sois sûr, faut qu'ils y soient ou qu'ils y soient. Hey. Est-ce que j'ai perdu un roulement? Tac, tac, tac. Ça, j'ai sorti. Là, j'ai descendu là. Il n'y a plus de roulement ici. Vous le voyez? Dis-moi pas qu'il y avait que trois roulements. Tac, là, celui-là, on est dans cette bague, celui-là, on est dans cette bague. Non, dans tous les cas. Dans tous les. Ah, voilà, il est ici. Il est ici. C'était obligé. Bon, allez. Voilà. On ne les aura même pas vus. On a mis les quatre roulements. Vous voyez toujours pas. Là-dedans. Plus qu'à monter. Ça va faire une belle machine. Bientôt, bientôt. Allez, on y croit. À tout de suite ou à la prochaine. Comme vous voulez. Allez. Et voilà. Remontage fini. Enfin, en fait, c'était beaucoup plus facile à défaire qu'à refaire. Donc moi j'ai démonté sans notice, j'avais déjà vu la notice mais c'était pour l'histoire du giro à l'arrière, j'avais pas regardé ça. Et en fait c'est bien ça, vous enlevez ici, ensuite vous enlevez les deux vis de fourche là et là, et vous sortez tout l'avant. Ça vous permet ensuite de travailler sur l'ensemble de la moto. Donc après au final je suis pas mécontent de ce petit morceau d'alu. Et percé en plus, c'est assez joli. Le bras n'en parlons pas. C'est magnifique. Juste, on va se mettre, si je la retrouve, la carreau. Voilà. Pour voir ce que ça donne. Je crois que j'ai bien fait, hein. Pour un petit détail comme ça, c'est déjà beaucoup plus joli. C'est vraiment pas mal. Et si. On met un carénage un peu plus crosse. Parce que ça, ils en ont encore des têtes fourches comme ça. Moi, je devrais pas le dire. Ouais, ça le fait aussi. Ouais, pas mal cette petite option. Ouais, on pourrait toujours peut-être demander à Mika. Pas regarder la vidéo exprès. Non, je peux plus rien pour toi. C'est fini. Oh, Mika, deux petits furs reliés là, comme ça. Deux beaux arrondis. Là, je t'envoie cette pièce. Faut juste faire la taille des roulements. Et tu es vide au milieu. Sauf que ça fasse joli comme ça, tu vois. Ah ouais, tiens, je vais te demander le tarif. Pourquoi pas, on verra. Tu auras le droit de refuser. Bon, alors là, on va en rester là, parce que j'en ai un petit peu marre. On reprendra une vidéo, tant que je nettoie un petit peu, présentation. Faut que je recolle encore le pneu arrière. J'avais dû redécoller. On présentera un petit peu tout ce qui a été fait dessus. Hein. Bah, vite fait ici, le bras, révision de là. J'ai refait les fils aussi du switch, parce que. Il n'y avait pas un problème dans le switch, hein, mais j'ai dû refaire par rapport à ça. Donc ça, le gyro de direction. Un vrai gyroscope de direction, là, cette fois-ci, grâce à la nouvelle radio, que vous verrez aussi. Et après, on la verra rouler. Voilà.
Allez, sur ce, les potos, merci de m'avoir suivi. Désolé pour la main sale. À la prochaine. Tchuss à tous.